Quand j'avais 16 ans. J'ai été au théâtre avec ma mère. Ma mère, elle est aussi actrice. Et on est allé au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. On est allé voir Bérénice. Il y avait Lambert Wilson qui jouait, il y avait Carole Bouquet, le père de Lambert Wilson. Enfin, c'était vraiment un casting de malade. Et on était là, au premier rang. Enfin, au premier rang, on était genre au deuxième rang, mais vraiment corbeille, enfin, de plein pied sur la scène. Et les Bouffes du Nord, c'est un théâtre en rond, comme ça. C'est hyper vieux, ça tombe, mais c'est un rond, ça monte très haut, mais on était super bien placés là. Et il y avait donc 5 acteurs. Lambert Wilson qui se tenait là, tout seul, dans la lumière, ils ont fait tout le texte. Tout le texte de Bérénice. Et il y avait aussi ce vieil acteur
qui était vraiment vieux, pas qui jouait le vieux, enfin c'était vraiment un acteur qui avait du mal à dire son texte, mais qui le disait jusqu'au bout, quoi. Et cet homme, Lambert Wilson, quand il s'est tenu là et qu'il a fait tout son texte comme ça, qu'il a tenu les toges, le costume était hyper simple. Une toge d'une seule couleur, un truc en orange. Et il se tenait là. Et quand j'ai vu ça, on est reparti, le spectacle se termine. Et on se retrouve place de la Chapelle avec ma mère qui est en moto. Et du coup, elle monte sur sa moto, moi je monte sur la moto. Donc, je mets mon casque et je lui fais. Putain, c'était incroyable. C'était la première fois de ma vie que je voyais un spectacle comme ça, un truc hyper simple. Hyper simple. Mais qui tient 3 heures, mais hyper simple. Et je la prends et je lui fais comme ça, je lui parle et je lui fais oh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Vraiment. Puis elle est devant sur sa moto et puis elle fait ouais, c'était pas mal. Ouais, je fais attends, mais c'était un truc de ouf. Ouais. Et là j'ai fait Ça veut dire que ma mère est actrice, hein. Mon père est technicien lumière, mon grand-père est metteur en scène, ma grand-mère est comédienne, mon arrière-grand-mère était violoncelliste, mon parrain est comédien, ma marraine est comédienne, ma tante est costumière de théâtre, mon autre tante est traductrice de théâtre, ma sœur est ostéo pour les danseurs et mon frère est technicien son. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je fais du théâtre, mais il va peut-être falloir que je trouve mon propre chemin, enfin... C'est-à-dire qu'il y a théâtre, et puis il y a... Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, parce que c'est pas facile. Ah, il y a ceux pour qui c'est un combat de faire du théâtre. Tu vois, ils se battent, leurs parents, je sais pas, ils sont banquiers. Et du coup, il y a un vrai combat, tu fais genre, moi, je veux faire de l'art. Mais... Moi, c'est facile. Tout le monde m'a dit, vas-y, fais du théâtre. Mais du coup, il faut que je trouve que moi, qu'est-ce que vraiment, moi, j'ai envie de faire comme théâtre. Ça, c'est pas facile. Bah, il y a quand même.
j'avais 7 ans. J'étais en vacances chez ma grand-mère à la campagne. C'était la première fois que j'allais à la campagne. Moi, je suis née à Port-au-Prince, dans du béton, de la poussière. Et pour moi, c'était un monde tout à fait nouveau. Et chez ma grand-mère, il y avait mes cousines, mes cousins, parce que la famille en Haïti, c'est... On est beaucoup. Puis un jour, on a été à la rivière. C'était aussi la première fois que je mettais les pieds dans une rivière. Mais il y avait ça d'eau, pas trop profond. Et avec ma cousine, on s'amusait à sauter dans l'eau. Et puis elle saute, elle revient. Et moi aussi, je saute, je fais comme elle. Je saute, puis je suis restée au fond de l'eau. Et j'entends ma cousine qui rigole, et elle pensait que j'étais en train de faire de l'apnée. Elle rigole, j'entends mon frère qui joue un peu plus loin, j'entends les femmes qui font de la lessive dans la rivière, parce que bon, c'est à la campagne, les gens ils font leur lessive dans les rivières. Et j'avais tout ce fond sonore, et puis moi j'étais sous l'eau. Et à un moment, oh, je me dis, ah, merde. Mais ma mère, elle va être triste. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. En fait, j'étais en train de me noyer doucement. Et je pense pour mon âge, c'était... C'était tellement bon. À un moment, quand tu arrives près, en fait, quand tu sens que la mort est juste là, tu peux la toucher. C'est même, c'est presque, je disais, c'est même, maintenant je suis un peu plus vieille, je dis, c'est quand même, c'est même encore mieux quoi, que l'orgasme. Cet abandon, se laisser aller, j'avais l'impression que, en fait, il y avait quelque chose qui ouvrait ses bras, quoi, une sorte de grosse bête presque invisible qui m'accueillait. Et c'était bon, vraiment, c'était bon. Si vous voulez, vous pouvez expérimenter ça, mais bon. Je ne conseille pas à tout le monde. Mais pour une fois, en fait, c'était la première fois dans ma vie d'enfant où j'avais plus peur. Vous savez, les enfants, ils ont peur du noir, ils ont peur... en fait, il y a plein de petites choses, on a peur, et... On a peur de tout, on a peur des inconnus, on a peur... Et là, moi, j'étais là, et j'avais vraiment envie, quoi, de rester, en fait. J'avais plus envie de remonter à la surface. Bon, après, il y a mon frère qui a remarqué ça, il s'est jeté, il a dit, mais putain, qu'est-ce que tu fais? Elle ne sait pas nager. Comme elle est de la campagne, donc pour elle, c'est évident, je sais nager, donc du coup, elle me pousse, en fait, je saute dans l'eau, et puis j'étais en train de me noyer tranquillement. Encore aujourd'hui, je me dis, quand je vois mon incapacité à vivre dans ce monde, c'est comme si à moi toute seule, je devais porter tout ce monde-là, avec mes petits bras, comme ça. Je devais porter tout ce monde.
Et ça, j'ai du mal à vivre avec ça. Parce que tout me touche. Je ne peux pas faire abstraction. J'aimerais bien avoir un tunnel. Je dis, ok, d'accord, ça, tu n'existes pas, tu n'existes pas, tu n'existes pas. J'arrive pas. Et des fois, je me dis, en fait, je suis peut-être restée dans l'eau. Peut-être que je ne suis jamais remontée à la surface. Jusqu'à présent. Peut-être que j'aurais dû rester. Une assiette de pâtes et du jambon. Et un soir, j'ai pas envie de manger. Donc je demande à ma mère, avec un sourire pour pas froisser mon beau-père, « Maman, est-ce que je peux sortir de la table s'il te plaît? J'ai plus faim. J'aimerais aller dans ma chambre tranquille. » Ma mère me répond, « Bah oui, vas-y. » Je prends mon assiette et je me lève. Et je la mets de l'autre côté, du mur, dans la cuisine. Et à peine j'ai le temps de poser mon assiette, que je me retourne et boum! Il y a mon beau-père qui arrive avec ses grosses mains de pâtissier et de boulanger, qui me fout un revers dans la gueule. Donc ma mère, elle comprend, enfin, c'était habituel, donc elle décide de se battre avec lui pour moi. Et là commence la course infernale. Il y a une espèce de colonne, juste à côté de la cuisine. Et là, je me mets à courir, parce que j'ai peur. Je me mets à courir autour de la colonne. Et là, il y a mon beau-père qui court après moi. C'est un petit mec.
un peu chauve, avec des grands yeux noirs, toute petite bouche pincée parce qu'il ne sourit pas beaucoup. Un peu la bedaine comme ça. Et il court derrière moi. Et ma mère court derrière lui. Donc, moi je cours, mon beau-père il court après, ma mère qui court derrière mon beau-père. Et je regarde. Je regarde un petit peu derrière moi pour voir où est-ce que ça en est, tout ça. Et là, je vois quoi? Ma mère, en furie, qui essaye d'attraper mon beau-père tant bien que mal. Ça déchire son t-shirt. Moi, je vois ça, j'ai 10 ans, je flippe. Donc, je décide, boum, de me mettre en boule dans son canapé. Il arrive et boum, 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 boum. Et donc là, après, ça se termine entre ma mère et lui, parce que moi, je suis vite partie dans ma chambre. When I was 13, I was going to 7th grade in elementary school, and there was a girl next to my class that stayed pregnant. And each day we were going to school, and I would say hi to her because nobody wanted to talk. It was strange for me, not to see each other. And one day, my teacher, who was really, difficult, and I was a bit rebellious in nature, she saw this, that we are together, and she called my mom for a meeting. And my mom came to school, and she explained to her, maybe you should be careful, your daughter is hanging with people who are suspicious and things like this. And so my mom told the teacher, I know my daughter. I know my daughter and it's fine. So my teacher called my father. And my father and mother are divorced since ages, when I was born. And he lives in the south of Croatia, in a completely other part. And at that time, in Croatia, it was war. And so he sits in the car, drives all night long, and gets a bullet in the car, and arrives around midnight at our house. My mother, she was in the kitchen, and we were in the living room. J'étais à Cuba, faire un film. Mon père, il vient avec moi pour être mon professeur. Un maître, en fait, qui allait m'enseigner. J'étais en CM1. Et on m'envoyait les cours par fax. Du coup, j'avais 3 mois de tournage et les week-ends, les soirs, enfin, voilà, j'avais des devoirs à faire et on m'envoyait tout par fax. C'était une fille de ma classe, Tess, qui m'envoyait tous les cours. Et elle avait mis une écriture de malade. Enfin, elle écrivait hyper bien. Et du coup,
Mon père, il voit cette écriture et il fait « Ah, mais regarde comment il écrit bien !» Pourquoi t'écrirais pas comme elle? J'ai 9 ans, enfin, j'écris déjà depuis 4 ans. Et il me dit « Mais... » Il faut que tu réapprennes à écrire. Comme ça, tout de suite. Du coup, je me tape des lignes de A, de A, de A, de A, alors que je sais déjà écrire. B, c'est hyper humiliant. B, cette fille, j'ai haï. Pendant 3 mois, je recopiais ses lettres. Je suis rentrée, j'ai changé d'écriture directement. J'ai jamais réussi à faire ces M. C'est que les jours de la semaine qu'on doit faire, c'est pas du tout les noms des pays. Et là, il me fait, mais en fait, t'es pas curieuse? Ça t'intéresse pas? T'es juste une fonctionnaire, en fait, tu fais juste ce qu'on te dit de faire. T'as aucune impulse personnelle. Évidemment, je vais faire non, bien sûr, j'ai envie. Bien sûr, j'ai hyper envie de faire ce deuxième cours d'allemand. Oui, j'ai pas du tout, je lui ai pas du tout dit non, je m'en fous du cours d'allemand, j'ai envie d'aller jouer. Non, oui, je vais apprendre tous les noms des pays. Et puis, 2 années après, ma sœur, j'ai une sœur qui est ma demi-sœur qui a 10 ans de plus que moi. On s'engueule. Et il me fait, Tilda, ce que t'es en train de faire, c'est une crise d'ego. Thank you.
Parce que mes parents l'ont voulu, parce que tout d'un coup c'était le hasard, parce que j'ai réussi à passer par là, mais que je n'ai pas d'endroit, je n'ai pas de fonction à être là. Mais j'aimerais être une actrice, mais j'y crois pas. J'aimerais tellement. Vraiment, je vous jure que c'est la seule chose que j'ai jamais désirée. We were in the living room. My father locked my mother in the kitchen. And at night, I got so beaten. Ear broken, bruises. It was one very, very long night. I remember there was a spiral lamp out of glass.
bones that were reflecting the light. And the next day, in the morning, he took me by the hand and took me to school. And we were sitting in front of my teacher from mathematics. And the two of them were developing and discussing the strategy, how they're gonna deal with me now. And I was listening. And when I understood what they're talking about, I ran away as fast as possible, straight through the door. Then my father came and he took me to the blood test, to do urine test, to see if I'm taking drugs, blah, 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 blah. Finally, we come to this famous kitchen. And so now we are. Me, mother, father, and a huge silver clock in front. School principal sitting there. And conversation starts. Child, what is wrong with you? Please tell us, admit. You can say anything. You can just speak. Just speak, please. Please speak. We want to help you. Speak. Speak, Adriana. Speak, speak, speak. What? What to say what? Somebody will listen? 4 hours. 4 hours. What happened after? I had a feeling, as this was happening, all of this drama is being played. Serious. Brainwashing. I just had a feeling that I'm slowly flying above, all around my kitchen, ceiling, lamps, window, outside space, and I was gone.
We need. I'm gonna change in English. It's easier. We need. We need to stand in a point of exit. Abariye
possibility of misled life. Something we can really, really miss. In the last three or four years, when I sleep, I get awakened by this moment, super strong moment of inevitability. Like there is this huge, huge necessity that wakes me up. In the middle of the dream, I'm awake, although I have my eyes closed. And it seems to me that it's the only time when I can look at my life honestly, naked, without anything, without my defenses, without my explanations, without my fucking excuses. And it's a tough moment. In that moment.
Oh, toute noire. I would just be ashamed. Of life that I've led. A life of a slave. Imprisoned. In my own prison. Vaut toute loi. Thank you.
Tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. In Canada. And so we were in wilderness, in the forest,
sleeping in tents, working from 9 in the morning till 2, 3 in the night, non-stop, cooking on fire, swimming in river, naked. For 3 months, imagine. No phone. Close phone was maybe 40 minutes bicycling. And I would go each week to make a phone call to say everything's fine. Don't worry, calmate, por favor. I'm gonna come back! And so I come back. We go to a workshop, which was like annual workshop of this studio where we met. And there are 40 people with us. And maybe we can remake the scene. So we are in this dinner, right? It's the first night we see each other after 3 months. What he does. In front of everybody. Big speech. Monologue of the century. Adriana, I ask you, in front of everybody, on the 20th anniversary of Strasberg Studio Group, to be mine. Why? In front of 40 people. I'm in shock. Nothing, I cannot, nothing can come out. People are staring, it's drama, it's Shakespeare, suffering, oh, he's trembling. And I'm sitting like this, looking at him like this. In shock, complete shock. Biggest intimacy, and 40 people performance. I say to him, we'll go out and discuss. Oh, yes. And people, they come and say, congratulations. I take him outside. And I say, what the fuck is wrong with you, man? What the fuck? Come on. Are you crazy? We need to live together first day. We need to spend some time together, you know? It's special, right? Yeah. Let's be honest with each other. We are in Spain. I was doing clown work. And we are sitting in the suburbs of Barcelona, having a big, big, important conversation about what's going to happen. He came to Barcelona just to check if everything is fine. You know, clowning is also dangerous. Grotowski clowning everything, which is not there in his studio. And so we talk. And he tells me, 3 years after, right? He tells me,
You know, when you decided to be actress of that kind, you left us. You chose yourself, not us. Nathalie, ouais. Quand j'étais en septembre, ouais, des gars en anti-ménage. J'étais avec Wilda à l'aéroport. On allait à Zagreb pour aller travailler avec Sergueï. Et non, monsieur. Je venais de finir 2 semaines de résidence hyper intense où je montais mon spectacle. C'était le premier petit ménage. C'était hyper, hyper intense. J'avais pas vu mon mec depuis 1 mois. Et je reçois. On parlait pas beaucoup. Je me démissionne comme ça. Ah, je sais. C'est une des premières fois qu'on se voyait. C'est ménagement, oui. Et là, je ménage où? C'est ménagement. Il dit oui. Et puis, nous gardons. Tu vois mon téléphone qui sonne? Puis moi-même, mal la caille, moi. Michel, il virait la caille. Et puis, je le prends. Et je vois, c'est mon mec. Et puis après, sur route-là, me dit, ben, si il ménage moi-même, c'est ménage. Normalement, il faut nous bons. Et puis moi-même, je retournais. Pour lui dire, monsieur. Et puis je me prends monsieur, je me dis qu'on ne savait pas plus. Qu'est-ce que c'est ménage, moi, c'est ménage. Faut que nous beau. Et puis je me prends monsieur. C'est déjà fini, mais j'arrive. Et puis me dit, voilà. Je vois le téléphone. C'est ça. On est ensemble. Je l'aime, ce type. J'avais 10 ans. Et je prends le téléphone, je réponds. Il y avait Wilda à 1 mètre de moi, je réponds. Et là, je fais. Écoute, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Hein. Et il me dit Attends, je suis un peu trop fatiguée pour entendre cette nouvelle. ouais. Et puis, je repose le téléphone. Et je continue ma conversation avec Wilda sur le travail, sur le fait qu'on allait travailler avec Sergueï, sur comment ça se passe, le training, où on allait dormir. Puis on monte dans l'avion, on s'assoit dans l'avion, et puis là, à un moment, je lui fais, tu sais, Wilda, je viens de quitter mon mec, là. Et puis là, elle me fait, non, mais c'est bien. Dans la vie, en fait, quand ça change, c'est que c'est vivant. J'ai fini mon histoire. J'arrive dans ma chambre. Parce que c'est super important. J'arrive dans ma chambre. Je prends un téléphone. J'avais un téléphone. Et j'appelle les flics. Parce que j'avais besoin qu'on m'aide. Parce que je pouvais plus rester chez moi. C'était pas chez moi. Alors j'appelle les flics. J'appelle les flics. Oui, bonjour. Aidez-moi. Aidez-moi, sortez-moi de là. Vite, alors je leur donne mon adresse. Tac, boum. Je leur dis mon père in bas, il bat ma mère. Vite. Évidemment. Quand le flic arrive, tout seul, mon beau-père en slip, ma mère comme ça, moi, on ouvre la porte, mes parents ne comprennent pas. Le flic, il me regarde et il dit, c'est ici qu'on m'a appelé? C'est ici qu'on a appelé? Oui, c'est ici qu'on a appelé. Mes parents, évidemment. Mais non, c'est pas ici qu'on a appelé. Ils sont en slip, comme ça, débraillés. Presque, ils ont des coquards sur la gueule. Non.
C'est pas ici qu'on a appelé, non. Le flic s'en va. Mais moi, je reste là. Là-dedans. Dans la maison. Qui n'est pas la mienne. De toute façon, mon beau-père, il m'a dit, t'es pas une Lucas, et tu seras jamais une Lucas. Lucas, c'est mon nom de famille, enfin, c'est son nom de famille à lui, parce qu'il a épousé ma mère. Parce qu'il a épousé ma mère. Alors, je suis Yael. Rien. Et du coup, je suis partie vivre chez ma grand-mère. Je suis partie vivre chez ma grand-mère Micheline. Micheline, elle s'appelle Micheline. Mais tout le monde l'appelle Michel. D'ailleurs, c'est mon deuxième prénom. Michel. 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 C'est bon, non? Michel. Et donc j'ai vécu avec ma grand-mère et mon arrière-grand-père. Qui s'appelle. Moi je sais plus. Je sais plus. Les autres familles, c'est Bénard. Bénard, on est normand et breton. Et j'ai vécu 3 ans, de mes 10 à mes 13 ans chez eux. Ouais. Ouais. Bah, c'était une maison. C'était la famille. Et après, je suis retournée chez mes parents. Michel! Ils me mettent dans une brouette et ils me transportent dans la brouette pendant les 2 semaines qu'on passe à la campagne. C'est-à-dire que je marche jusqu'au bout de la terrasse, tranquille au pied. Jusqu'au bout de la terrasse.
Mais l'herbe, non. Ça, je sais que... Pendant deux semaines. C'est un grand aéroport, très froid. Et on marche côte à côte. Et puis on se rend compte que c'est une ligne qui part pour l'Argentine, alors il faut refaire une autre queue qui part pour la France. C'était le premier petit au revoir, et puis après il y en a eu un autre. Et on marche. Et il s'arrête devant une colonne, à côté d'une colonne. Et moi je continue à marcher. Je vais me tourner pour continuer à avancer. Et je vois.
J'ai les genoux qui lâchent. C'est un gros trou. Mais je sais pas. Je sais pas si je tombe sur le sol. Dans mon souvenir, je tombe au sol. Et j'arrive tant bien que mal à la frontière. Et je pleure beaucoup. Il se moque de moi parce que mon visa il a expiré. Et ça a duré longtemps. Je suis allée jusqu'à Madrid. Je suis revenue à Paris. Et après, pendant 6 mois, je pouvais pas partir de chez moi sans mon passeport. Au cas où, je prenne l'avion. Ma brosse à dents et mon passeport. Comme ça, je me disais, au pire, je vais à l'aéroport. Un an après, il a eu un enfant. Et sa femme m'a demandé de plus lui écrire. Et je comprends. Mais c'est pas grand chose. Possibilité de lui parler des fois. Mais tant pis. Destiny, June song.
Signora Gisabella.
So caipira, pira, pora nostra, signora disamparecida. Je me souviens du jour exactement où j'ai quitté mon premier amour. Clément Isabel. Et je vivais chez lui. Parce que j'étais partie de chez mes parents, une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Et donc je décide de le quitter pour partir à Boulogne-Billancourt pour vivre chez ma sœur que je rencontre. Elle me dit, bah, viens vivre à la maison, puisque tu es à la fac à Boulogne, ce sera plus simple pour toi. Donc je décide de partir à Boulogne, et je fais toutes mes valises. Donc je ramène toute ma vie dans le train du 91 à Paris. Paris. J'y étais jamais vraiment allée pour de bon. Alors j'ai une valise, j'ai une deuxième valise, et j'ai une troisième valise. J'ai un sac à dos devant, un sac à dos derrière, un sac en bandoulière sous le côté, un autre sac en bandoulière. Et boum, je prends le train. Pour une heure. Et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, je crois, que dans le train où je partais, avec toute ma vie. Et j'arrive à Paris. Et là, le drame total. Je suis perdue, et je vois une foule de gens qui ne me ressemblent pas du tout. Moi, j'ai l'air d'une clocharde, quoi. Ils sont tous super bien habillés, super bien apprêtés. En plus, j'arrive en plein cœur de Paris, dans le premier arrondissement, deuxième arrondissement, je sais pas trop. Et je me suis sentie complètement perdue. Complètement perdue. Et puis, j'arrive chez ma sœur, enfin. À Boulogne-Billancourt, et là elle me dit « Ah, mais t'as tout ça comme affaire ?» Je dis « Bah oui. » Elle me dit « Ah, ça va pas être possible. » Ah. Bah, je suis partie. J'avais 30 ans quand j'ai décidé de faire un documentaire sur ma mère. Je pense que je venais à peine d'arriver en France. Il y a un ami qui veut bien m'aider, qui est documentariste. Et il m'a filé tous les tuyaux, comment clarifier mes idées, comment amener l'histoire. Et je me disais, je suis une artiste, je suis une femme, je vais faire un documentaire sur ma mère pour régler des comptes. Parce qu'à 30 ans, on doit prendre des décisions. Donc moi, ma décision, c'était de régler des comptes avec ma mère. En faisant un documentaire sur elle. Je rentre en Haïti, je filme une première fois. D'ailleurs, j'ai les roches à la maison. Je ne les ai jamais développées. Et je retourne une deuxième fois en Haïti. Et à cette époque, ma mère était déjà malade. Et en Haïti, on a des petites maisons, on est quand même un peu serré. On peut se retrouver des fois à 10 dans deux chambres, vous imaginez?
Et ma mère était allongée sur un petit lit, un lit d'une place. Et déjà, elle ne voyait pas trop bien. Et j'arrive. On a parlé, on a discuté pendant au moins 15 minutes. Et pendant 15 minutes, ma mère ne s'est pas rendue compte que c'était moi, sa fille, qui lui parlait. Et quand elle a su que c'était moi, elle m'a dit de venir m'allonger avec elle. Elle était allongée un peu en chien de fusil. Et moi, comme je me suis mise entre ses bras, on est resté allongé comme ça. Sans rien se dire. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, tu sais Dado, Dado c'est mon petit nom. Je t'aime. Et c'était la première fois que ma mère me disait qu'elle m'aimait. J'ai toujours eu un peu de mépris pour ma mère. Parce que selon mes principes, je déteste les femmes qui ne savent pas être des femmes. Des femmes qui existent qu'à travers leurs enfants. Et ma mère, pour moi, ma mère, c'était ça. Déjà très jeune, je m'imaginais orpheline. Je l'ai espéré pendant longtemps. Je me disais, j'aurais préféré que ma mère soit une pute, qu'elle nous abandonne quelque part. Parce que j'avais marre de traîner cette boule de douleur. Parce que j'ai porté toute sa souffrance, toute mon enfance. J'ai toujours trouvé ça injuste. Un enfant arrive, il ne demande rien à personne. Alors pourquoi il devrait porter tout le poids de la lignée, des douleurs, des gens qui n'ont pas su être ce qu'ils devaient être dans leur vie. Et pourquoi devrait-on choisir être une mère, être une femme? On n'a jamais demandé aux hommes d'être un père ou d'être, je ne sais pas. Maintenant, on doit décider, on doit choisir être une mère, une femme, une actrice. Je ne sais pas, j'imagine, par exemple, les paysans. Je fais tout le temps référence aux paysans. Par exemple, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Et j'imaginais un paysan. D'ailleurs, je ne sais plus si cette image, si c'est de moi ou si c'est de mon mec. On se disait... Je crois, je sais plus. Bon, il faudra clarifier ça. Et j'imaginais le paysan pendant le tremblement de terre qui est en train de sacler sa terre avec tout, comment on dit, labeur. Et la terre bouge. Et
Ah, le paysan lève la tête au ciel, plus rien, et il continue. Parce que il sait faire que ça, et il le fait, il se pose pas de questions. Et pourquoi dans notre société contemporaine, on est tout le temps en train de parler de soi, de dire « Ah, je souffre, je suis comédienne, je souffre. Ah, je sens les choses profondément, tu sais, nous sommes très sensibles. Je suis un artiste. » Je suis un artiste, je vais régler des comptes avec ma mère. Parce que ma mère n'a pas su être une femme. De quelle prétention ? De quel droit ? Remettre en question 30 ans de vie. Une femme donne son sang, donne son eau, donne son amour, donne son lait. Des fois, on fait abnégation de plein de choses, juste pour un enfant. Et au bout de 30 ans, cet enfant se réveille. Ah tiens, ma mère, c'était une... Et ça, c'est moi. Et maintenant, j'ai une fille qui a 21 mois. Et j'ai peur. J'ai vraiment peur. Ma mère est morte 4 mois avant que je tombe enceinte. Et maintenant, à 40 ans, 41 ans, je suis orpheline. Je redeviens une petite fille orpheline. Mais je vous rassure, 2 ans ou 100 ans, je ne sais pas, ou 90 ans, un orphelin reste un orphelin. Thank you.
mother. She's now dying. Out of heart. And we were never quite close. And so he contacts me after so many years of silence with SMS that I need to come to see him because he's dying. And he wants to settle the will for the house. Faire la volonté pour le testament. And the message was so written. Il est tellement écrit. It was an order. C'était un ordre. To come. Un ordre de venir. To discuss. Discuter. The legacy. Du testament de ses volontés. Dernière volonté. And so my sister, she comes from Germany. Sa sœur vient d'Allemagne. I come from France. Elle vient de France. And we are sitting at this table. Et ils sont assis à cette table au déjeuner. Waiting for this will to be read. En attendant de lire ses volontés. And I understood that it's going to be tough. It's going to be. Et elle a compris que ça allait être difficile. And so I had this bad feeling that something is bad. Un mauvais pressentiment que ça n'est pas bien se passer. And he says. Et il a dit. No, he orders. Il a ordonné. That we take a common picture. Qu'ils prennent une photo tous ensemble. A family he never had. D'une famille qu'il n'avait jamais eue. Daughters he never. De filles qu'il n'avait jamais. Took care of. Dont il n'avait jamais pris soin. And I said, et elle a dit non. I'm here. Je suis là. You don't need to take a picture of me. T'as pas besoin de prendre une photo de moi. I'm here. Je suis là. And the moment I said that, et le moment où elle a dit ça, he told me, il a dit, get out of my house. Sors de chez moi. And I have. I left. Et elle est partie. All of my parts to him, to his friend. Elle a laissé toutes ses parties, tout ce qu'elle avait gagné dans le testament. Elle laissait tout. All that was so important. Tout ce qui était très important. For him. Pour lui. She was so disappointed. Et sa mère était tellement déçue. She couldn't believe that. Elle pouvait pas croire. The man that she had children with. Que l'homme avec qui elle a eu des enfants. Turn against his own kids. Se retournerait contre ses propres enfants. Would do anything to that his own children were threatened. Que ses propres enfants seraient menacés.
me suis souvent demandé. Parce que on raconte beaucoup d'histoires. On s'est raconté beaucoup d'histoires. Et je me suis... Quand on entend parler de la vie des autres, bah souvent je me fais... J'ai de la chance. J'ai pas vraiment eu de drame, j'ai pas vraiment eu de... Je veux dire, mes parents m'aiment, les hommes m'aiment, j'ai beaucoup d'amis, je veux faire un spectacle, il y a des acteurs qui viennent pour travailler avec moi, mon père fait la scénographie, mon frère m'invite dans un festival, enfin tu vois, c'est... J'ai beaucoup de chance. Quand je me dis, ok, si je dois monter sur scène, ok, je vais, ok, bon, on accepte la première partie, on accepte que je suis une actrice, ok. Si on monte sur scène, si on vit, ok, de quoi on veut parler ? On entend ? Pendant longtemps, j'ai pas trouvé de quoi je voulais parler. Je cherchais, je montais sur scène et puis je disais, mais qu'est-ce que je fais en fait là ? Je veux bien jouer un rôle, mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Et je me... Voilà, du coup, je me secouais moi-même, je cherchais chez moi, chez les autres, qu'est-ce que je suis ? Il y a un moment, tu te fatigues. Tu te fatigues à avancer comme ça. Tu dis, ok, je veux bien être actrice. On accepte, je veux bien être actrice. J'ai des pieds, j'ai des jambes, j'ai des genoux, j'ai ça. Ça, c'est moi. Voilà, je suis là. Ok, génial, on est d'accord. Et. Moi, je veux bien me battre, je veux bien représenter quelque chose, mais il faut que ça ait un sens. À un moment donné, il faut que tout ça ait un sens. On ne peut pas accepter un tremblement de terre à Haïti, la mort de son père, et que ça n'ait pas de sens. Je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. J'aimerais bien pouvoir... Tous les jours, je prends le métro, je pars et je vis, mais c'est pas possible. J'aimerais bien croire. Hier j'ai appris, c'est drôle. Hier j'ai appris que même les gens qui croient, ils ont des doutes. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien être sûre. Après, on me dit, mais... Putain, mais moi, je cherche des signes, tu vois. Moi, je me dis, ah, si j'arrive à sauter trois pas comme ça, si j'arrive à pas sauter la ligne, ça veut dire que quelque chose existe, tu vois, comme les gosses. Mais il y a un moment où il faut quand même... avoir quelque chose de sûr. Si la lumière s'éteint, c'est un signe. Ouais, mais bon, il y a un moment où il faut un peu plus, quoi. Putain, mais comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait pour croire ? Voilà. Parce que moi, il y a plein de gens que je connais, ils croient en Dieu, c'est trop bien. Super. Au moins, ils ont un truc. Ils ont un truc pour...
Même s'il n'y a pas le karma, la vie après la mort, il y a un truc, un sens. Conversation. Keep it going.
tu es là. Et on va sauter, ok? Alors, je peux sauter encore longtemps. Ok. Oui. Je ne vais pas attendre quelque chose d'autre, tu m'entends? Je ne vais pas attendre un autre moment de ma vie! Je veux croire maintenant! Je veux croire maintenant! Je veux croire maintenant ce soir! Ok? Ça suffit le jeu là, hein? Ça suffit les doutes, pas doutes! Ça suffit! Maintenant, je veux croire ce soir! Donne-moi quelque chose. Moi, je donne. Qu'est-ce que tu me donnes? Hein? Tu fais quoi, là, hein? Ça, c'est pas juste. Hein? Je t'en supplie, là, en fait, s'il te plaît. Ça fait 27 ans que je suis là. Tu ne me parles jamais. C'est où, pas moins, c'est où.
ami, si vous quittez l'allée, qui est-ce qui vous sauver?